Bonjour encore et encore, bienvenue sur la chaîne Les Aides de Freddy qu'on voyait à l'écran. Nous sommes sur le site de l'Institut National de Formation Judiciaire, INFJ. Alors, avis aux candidats, tous ceux qui souhaitent présenter le concours d'entrée à l'INFJ session 2021, le concours est ouvert. Alors, vous pouvez faire vos différentes inscriptions. Alors, dans cette vidéo, vous voyez, avis aux candidats, la plateforme de préinscription en ligne au concours 2021 sera accessible dès le lundi 19 juillet 2021. Vous pourrez y accéder, ok, et après par le lien ci-dessus. Vous voyez ici le lien qui est là, concours 2021. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Regardez en dessous de cette vidéo, vous verrez un lien destiné à tous les candidats. Vous intégrez notre groupe WhatsApp destiné aux candidats et vous bénéficiez de nos services et vous serez toujours les premiers à être informés et vous bénéficierez de notre assistance en ligne. Alors, et pour tous ceux qui ont besoin de notre aide pour la réussite de leur concours, nous avons des supports de préparation de documents qui pourront vous aider à réussir votre concours. Et nous avons plusieurs services. Regardez en dessous de cette vidéo, vous verrez nos formations, du coaching financier et tout ça. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer étape pour vous présenter le concours et les différents types de concours qui ont été lancés et quels sont les calendriers, on veut dire, quelles sont les différentes procédures d'inscription. Alors, donc, restez connectés jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Alors, donc, rentrons dans le vif du sujet. Tapons ici, vous voyez, concours 2021. Quand tapons sur concours 2021, nous tombons sur cette page. Vous voyez, Institut National de Formation Judiciaire, concours 2021. Type de concours, nous avons concours direct, concours professionnel spéciaux, commissaire de justice. Alors, comme vous voyez, concours direct, on va voir la liste. On va voir la liste. Tapons sur voir la liste et voici le concours direct. Concours direct, vous voyez, administrateur des greffes éparqués, attaché des greffes éparqués, conseiller d'éducation surveillé, magistrature, maître d'éducation surveillé, secrétaire des greffes éparqués. Alors, début les instructions ont commencé et se poursuivent jusqu'au 10 septembre. Pour certains, 8 octobre pour conseiller d'éducation surveillé. Alors, après, vous tapez sur voir l'arrêté d'ouverture pour avoir les conditions de candidature. Dans nos prochaines vidéos, nous allons vous montrer les différentes conditions de candidature. Alors, nous retournons et nous voyons concours professionnel. Voir la liste. Tapons sur voir la liste et voyez la liste des concours professionnels. Il s'agit des administrateurs des greffes éparqués, administrateurs des services pénitentiaires, attachés des greffes éparqués, attachés des services pénitentiaires, conseillers d'éducation surveillés, contrôleurs des services pénitentiaires, inspecteurs d'éducation surveillés. Alors, les mêmes dates, les dates de fin des paiements, ici c'est le 27 octobre et les frais de concours sont là devant vous. Alors, dans nos prochaines vidéos, nous allons donner plus de détails et vous montrer comment faire votre pré-inscription et prendre votre rendez-vous pour la visite médicale. Alors, nous tapons sur retour à l'accueil et nous tombons ici. Concours professionnels spéciaux. Tapons sur concours professionnels spéciaux et nous tombons voici. Concours professionnels spéciaux. Administrateur des greffes et parquet. Administrateur des services pénitentiaires. Attaché des greffiers éparqué, attaché des services pénitentiaires, conseiller d'éducation surveillée, contrôleur des établissements pénitentiaires, inspecteur d'éducation surveillée. Alors, donc ça, c'est la liste des concours professionnels spéciaux. Et vous voyez les dates des inscriptions et les frais de concours qui sont devant vous. Alors, après, vous tapez sur voir l'arrêté d'ouverture pour pouvoir voir les différentes conditions de candidature. Alors, ne vous inquiétez pas, regardez en dessous de cette vidéo, nous allons laisser les liens pour que dès que vous tapez sur les liens, vous tombez directement sur ces pages qui vous pourront vous cliquer pour avoir de plus amples informations. Alors, donc nous retournons sur retour à l'accueil et nous descendons. Alors, procédure d'inscription.
L'inscription au concours direct se décline en cinq étapes, en cinq phases. Ok? Inscription en ligne, paiement en ligne des frais de visite médicale, paiement en ligne des frais de concours, constitution et dépôt des dossiers. Phase 1. La phase d'inscription en ligne se déroule sur le site, comme vous voyez, www.nfj.org.ci. Alors, la phase 2, c'est paiement en ligne des frais de visite médicale. Tout ça, vous verrez. Alors, la phase 3, visite médicale, prise de vue. Et phase 4, paiement des frais de concours. Phase 5, constitution et dépôt des dossiers. Le candidat doit joindre les fiches. Vous voyez, alors, procédure d'inscription au concours professionnel. Chaque concours, voilà, au niveau du concours professionnel. Procédure inscription en ligne, pas de visite médicale, paiement en ligne des frais de concours, constitution et dépôt des dossiers. Alors, vous voyez, phase 1, inscription en ligne, phase 2, paiement des frais de concours, et phase 2, constitution et dépôt des dossiers. Alors, procédure d'inscription au concours professionnel spéciaux. Alors, il y a la phase d'inscription en ligne, les coûts de préparation, voir la direction de l'INFSJ, paiement en ligne des frais de concours, constitution et dépôt des dossiers. Alors, phase des inscriptions en ligne, voyez les conditions, coûts de préparation et paiement des frais de concours et constitution et dépôt des dossiers. Alors, voyez, calendrier des inscriptions. Les inscriptions en ligne ont débuté depuis le mardi 28 juin et évidemment, c'est maintenant que le site est disponible, donc vous pouvez commencer. Donc, ça part d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 27 août 2021. La visite médicale à Abidjan, la visite médicale se tiendra à Abidjan. Alors, à INFJ, Anest de Yopougon, Maka, ok? Dépôt des dossiers physiques à Abidjan, espace Select en face de la mosquée Tadjian de Plateau. Info line, voyez les différents contacts et si vous voulez faire votre inscription, c'est ici. Pour inscription au concours, poursuivre mon inscription, inscription pour le commissaire de justice. Alors, voici ce que nous voulons vous montrer étape par étape. Vous devez savoir que le concours est lancé et qu'il faut commencer maintenant à faire votre préinscription, commencer à constituer vos dossiers et commencer à vous préparer. Il faut mettre l'accent sur votre préparation. Si vous avez besoin des documents, des soucis, des outils de préparation, nous avons des documents de préparation, des supports qui pourront vous aider à mieux vous préparer et réussir votre concours. Alors, dans nos prochaines vidéos, nous allons montrer étape par étape les conditions des candidatures et comment faire la préinscription en ligne, comment faire le paiement, tout ça, vous le saurez. Alors, restez connectés à nous et partagez massivement cette vidéo pour ne rien manquer. Merci, à très bientôt et au revoir.